Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Wedding Talks, toujours ici au Mât des Cinq Fontaines, accueilli très gentiment par Eric et Mélanie, dont on recommande fortement le lieu. Si vous ne connaissez pas, allez checker, ou au pire, Achille, il va vous mettre des petites images, des petits plans de coupe du Mât. Aujourd'hui, on reçoit Lucie, bienvenue. Merci, bonjour. Lucie, toujours la même phrase, on commence toujours de la même manière, fil rouge, présente-toi en une phrase. Eh bien, je m'appelle Lucie Charrois, j'ai 30 ans. Et j'ai créé ma marque de robe de mariée en 2014. D'accord. À la suite de 6 ans d'études de couture. D'accord. Et 20 ans de passion pour la robe blanche et les mariages. D'accord. Comment s'appelle la marque ? Lolette. Voilà, comme ça, on est sûr de bien. Qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais ? Et surtout, comment est-ce que tu crées ? Comment ? Parce qu'on se demande d'où sort les idées, quoi. Quand, comment tu fais? Est-ce que tu arrives devant? Tu sais déjà, je sais pas, tu prends un croquis, tu dessines, ou est-ce que tu as déjà des bases? Enfin voilà, moi je veux tout savoir comment tu crées tes robes. D'accord. Alors déjà, il y a plusieurs cas de figure. J'ai toujours été passionnée par la robe blanche en elle-même. Mm-hmm. Je ne sais absolument pas d'où ça me vient, mais en D'accord. tout cas, c'est le cas. Donc j'imagine toujours du blanc. Il y a les tendances, du coup, forcément, qui arrivent et qui nous influencent sur certains détails. Mon inspiration première, je dirais que ce sont avant tout mes mariés. Ouais. Parce que lors des essayages, il y a souvent des choses qui ressortent, des détails qui reviennent, des préférences, des choses dont elles sont moins à l'aise, avec lesquelles elles sont moins à l'aise. Et du coup, je m'inspire vraiment pour faire un petit pêle-mêle en fait, de toutes leurs idées. Et après, l'inspiration me vient parfois en voyant une matière, une dentelle. Où là je me dis ah ça serait cool que je la pose sur telle ou telle partie de la robe. Parfois c'est juste une silhouette qui passe dans la rue et je remarque le mouvement d'un tissu ouais. ou une découpe que du coup je vais intégrer dans la robe et je fais toujours la même chose quand je m'inspire ou quand je réfléchis à une robe. Bien évidemment je la pose sur papier, sur D'accord. croquis. Alors parfois j'ai pas le temps et j'ai juste un calepin et je fais un petit détail qui ressemble à rien. Je leur demande pas ça après d'ailleurs. Et en fait, quand je me mets à créer, à douter, je lève les yeux et je m'imagine que la mariée rentre en fait dans la pièce et je la fais tourner sur elle-même. D'accord. Et je vois si ça matche, si ça matche pas. Tu mentalises ta mariée. Je mentalise. Oui, après, je suis quelqu'un de très visuel, donc c'est vrai que ça aide. Mais du coup, voilà, majoritairement, comment je m'inspire. D'accord. Et justement, comment tu vas chercher ces tissus ? Est-ce que c'est le hasard ou tu déclenches le hasard ? Est-ce que tu vas, je sais pas, dans des... peut-être pas des merceries, mais des spécialistes où tu vas aller chercher le tissu particulier ou... Oui, oui, oui. En fait, on a des salons pro où tous les fournisseurs de tissus du monde entier en fait, sont regroupés. Moi, l'avantage, c'est que je tourne avec 6 ou 7 matières différentes. Ouais. C'est toujours dans du blanc. Donc, du coup, j'essaye d'avoir vraiment un répertoire de fournisseurs le plus large possible parce qu'eux-mêmes, chaque année, sortent des nouvelles collections. Et régulièrement, je vais voir ce qui sortent du coup en dentelle, tout ça. Et après, je vais les rencontrer sur les salons pro pour pouvoir voir la transparence, la matière, ouais. le toucher. Voir voilà. comment toi, tu peux interpréter le produit Exactement. Et le mettre Et après, parfois, j'ai l'idée d'une robe et je cherche une dentelle en particulier. Et là, je me mets à écumer des milliers et des milliers de dentelles pour okay. trouver celle qui matchera le plus. Et parfois, c'est à l'inverse. Je ne suis pas du tout partie sur quelque chose en particulier et je vais voir... Ouais, le produit qui voilà, va... Voilà, une qui dentelle, va te... et je vais me dire, ah oui, ça dans un dos plaqué, ça va être magnifique, gérer la transparence, tout ça, parce que c'est souvent que je mélange 3-4 tissus du coup sur une robe, donc il faut vraiment que tous les tissus se complètent parfaitement, ouais. qu'ils aient la même teinte, pardon, donc... Okay. Tout ça, c'est et tu parles de blanc, mais est-ce que... Alors, j'ai plein de questions qui arrivent maintenant. Tu parles de blanc, est-ce que tu vas décliner du blanc ou tu vas rester vraiment dans le blanc qui te correspond à toi ou tu vas aller travailler un petit peu l'ivoire, le off-white, D'accord. etc. Alors, en fait, il y a environ 5 types de blanc. Il y a le blanc optique, qui est un blanc très étincelant, qui a limite des reflets bleus ou violets. D'accord, ouais. Donc c'est pas un blanc que j'aime trop travailler parce que ça va pas à tout le monde. Après il y a le blanc classique, le blanc cassé, les crus, l'ivoire et le champagne. D'accord. Champagne pour moi c'est trop orange, ivoire c'est trop jaune. D'accord. Donc on va plus être entre le blanc et blanc cassé et cru. Ouais, le off-white ouais. un peu, enfin le... Le off-white. Ouais, le... Voilà, pas ou le blanc soie. Plus, ouais, voilà. On appelle ça le blanc soie. D'accord. Après, certaines matières sont en écru, certains crêpes sont blancs, donc il faut vraiment, voilà. Ouais, comment... Alors, ouais, ça, parce que pour moi, le blanc et l'écru, par exemple, c'est pas des couleurs qui matchent ensemble. Ouais. Ou alors, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt à ce que le blanc fasse ressortir l'ivoire. Ouais, enfin, ouais, enfin, le... Mais généralement, tous les fournisseurs...
ont la même teinte qui s'appelle le blanc soie ou le off-white. D'accord, ok. Et quand tu as ta mariée qui vient à ton studio, est-ce que tu as déjà quelque chose à lui proposer parce que tu as un catalogue? Est-ce que tu pars from scratch, de zéro, et tu dis ok, pour toi, je vois ça, machin? Qu'est-ce que tu proposes à tes mariés? Lors du premier rendez-vous, qui dure en général 1h30, moi, quand elles arrivent, je les ai jamais rencontrées. Donc, on a eu souvent un échange par téléphone avant parce que je préfère leur demander si, un petit peu leurs envies premières, si elles ont déjà fait des essayages, leur budget, tout ça, pour pas leur faire perdre de temps. Donc, si je sais qu'elles veulent le style de mes robes, mais qu'elles ne savent pas trop sur quoi partir, déjà, c'est un bon point. Ouais. Donc, je les reçois. D'abord, on parle un peu de leur mariage, de où est-ce qu'il va se passer. Ça va me donner un peu une idée du lieu dans lequel elles vont être pour pouvoir adapter la robe du coup en fonction. Par exemple, l'autre fois, j'ai une mariée qui m'a dit « je me marie au milieu d'un champ de paille ». Elle m'a dit « je voudrais un grand voile ». Je lui ai dit « bon, ben là, c'est compliqué, ça va finir en charpie ». Ouais, ça va. Ouais. Et du coup, voilà, je leur demande si elles vont à l'église, si elles vont pas à l'église, pour savoir s'il va y avoir voile ou un côté un peu plus cérémonial à apporter à la robe. Et ensuite, du coup, moi, issue de toutes mes collections, j'ai une trentaine de robes qui sont disponibles à l'essayage. Donc, soit elles ont repéré déjà des modèles et que je leur fais essayer, soit elles me disent freestyle en soi. Sachant que, voilà, comme je disais, vu que je les ai jamais vues avant, moi, en général, dès qu'elles passent le pas de la porte, je les regarde et j'ai un flash. Et je me dis, bon, ça va être soit celle-là, c'est sûr, soit entre deux ou trois, voilà. Donc là, après, on commence les essayages. La première, je mets toujours une robe de mariée facile, j'ai envie de dire. Ouais, passe-partout. Ouais, ouais. L'idée qu'on se fait d'une robe de mariée qui a... La belle meringue. Non, c'est ça. Il y en a des très belles de meringue. Ouais, ouais. Et il y en a d'ailleurs à qui ça va beaucoup mieux que le style fluide. C'est vrai. Mais c'est pas ce qu'on retrouve, c'est sûr, dans mon showroom. Voilà, je leur fais essayer une robe, déjà pour qu'elles s'habituent à se voir en long, en blanc, l'entourage aussi, parce qu'en général... Ça, c'est le mythe de la robe de mariée portée, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà, elles se voient dans quelque chose d'assez facile. Et au fur et à mesure, en fait, on écume et on réduit. Moi, je leur dis toujours, toutes les robes sont modifiables. Donc, vous pouvez vraiment me dire... Si vous appréciez un devant mais pas le dos, si vous préférez les manches de l'autre, je ne me vexerai pas, c'est juste pour qu'on affine en fait la sélection. Donc voilà, au fur et à mesure, j'aime définitivement bien ce dos en V, les manches vraiment il m'en faut, là ça casse mon bras, puis moi aussi au niveau de la morphologie, en fait je vais pouvoir voir au fur et à mesure qu'est-ce qui lui correspond le mieux. Et c'est pour ça aussi que je leur demande souvent de venir avec des accompagnatrices ou accompagnateurs, deux maximum, parce qu'après ça fait trop d'avis pour le premier rendez-vous. Ouais, il y a une compétition entre elles qui se crée, c'est un peu un carnage. Et du coup, je leur dis toujours, moi au niveau de votre morphologie et de ce que je vais voir sur vous, je vais savoir qu'est-ce qui vous va. Mais par contre, ce qui vous va ne vous correspond pas forcément. Ouais, ouais. C'est-à-dire que si vous avez une super belle chute de rein, une taille toute fine, je vais vouloir vous mettre dans un dos nu à la Mireille d'Arc. Mais si au final vous êtes quelqu'un d'introverti ou qui a un complexe sur son dos, un grain de beauté, j'en sais rien, ça va pas passer. Et là, la famille est là aussi pour dire ça, c'est tout toi, ça te correspond moins, ça te va bien, mais c'est moins toi. Enfin, voilà. Ouais, pour toi, c'est des petits insights que t'entends et qui te permettent de faire évoluer la robe. Exactement. Et du coup, voilà, on avance les essayages comme ça. Alors ensuite, là, j'ai diversifié mon offre, c'est-à-dire que dans les 30 robes du coup qui sont présentes au showroom, il y en a 10 qui sont créées en taille standard et qui peuvent être un petit peu modifiables. Celle-ci en fait partie d'ailleurs, que tu vois derrière. Ouais. Donc celle-ci, par exemple, on peut rajouter des manches, on peut creuser un peu le dos. Mais ça permet en fait d'avoir, ça c'est au niveau des tarifs, du coup j'ai vu que les robes sont créées en taille standard et ensuite retouchées, ça permet d'avoir un tarif un petit peu inférieur. Accessible, on va dire c'est le premier et l'entrée de gamme chez toi. C'est ça, c'est l'entrée de gamme. Et ensuite, voilà, donc si elle flash sur une robe déjà existante avec juste un petit détail à modifier, du coup je la produis en taille standard et après je la retouche. Mais après, si elles veulent extraire le dos d'une avec les manches de l'autre, ajouter une mousseline, faire une vraie compo, là on part sur du vrai sur mesure. Ouais. Et le vrai sur mesure, du coup, c'est 5 essayages. Ouais, j'allais te demander justement combien de temps tu... 5 essayages, C'est 5 essayages. Donc le premier pour choisir la robe. À la fin de l'essayage, je fais toujours un croquis qui rassemble toutes les idées. Ok. Je leur représente les matières, tout ça. Ensuite, je crée la robe dans une toile. En fait, je crée un prototype. Ok, ok. Parce que je peux pas faire one shot directement dans les vraies matières. Et c'est ce que je leur dis. Parfois, elles n'ont pas pu du coup essayer la robe finale avant de l'avoir le jour J. Donc cet essayage permet
de régler et d'ajuster et de choisir ensemble tous les détails qui vont composer sa robe. Ouais. Des boutons, j'imagine, s'il y a... C'est surtout la profondeur du décolleté, la largeur d'une manche, un détail de ceinture, voilà. Plein de choses sont encore modifiables à cette étape-là. Ensuite, créer la robe dans ses vraies matières. De là, il faut qu'elles aient trouvé leurs chaussures pour que je prenne l'ourlet. Ouais. Après, je fais encore quelques petites retouches et l'essayage final. D'accord. Voilà. Et après, tu touches plus. Ça m'appartient plus. Et après, il y a celle aussi qui arrive en disant, j'ai une idée bien précise. Ou alors je veux une robe qui n'existe pas chez toi et dont je n'extrais d'ailleurs aucun détail de toute la collection. Là j'ai eu le cas d'une mariée qui arrive en me disant j'aime ce style, j'aime ce rendu, je te fais confiance. Donc là on fait même pas d'essayage, je lui pose 2-3 rubans vite fait, même pour moi voir au niveau de sa morphologie ce qui lui va. Et là on part sur un croquis, je lui présente des matières et on voit si ça match. Ça peut être complètement... flou en plus, enfin, c'est bien qu'elle puisse te donner entière confiance comme ça. J'ai beaucoup de chance, mais Marie, elle, énormément confiance. Ouais. Pour elle, c'est complètement abstrait parce que au final, oui, on envoie des robes de mariée, il y a plein de choses, mais en plus, c'est la sienne et c'est complètement, c'est top. Alors, ça les rassure déjà que je leur dise qu'il y a l'essayage de la toile entre temps, parce que la toile, moi, je la crée dans une matière qui est blanche. La toile, en général, le bas est en matière définitive, mais pas le haut. D'accord. Donc, déjà au moment de la toile, ça leur permet déjà de mieux se projeter. Ouais, de se projeter et de pouvoir la porter. D'accord. Et après, les femmes qui veulent ça, en général, savent ce qu'elles veulent, savent ce qu'ils leur vont. Et du coup, ont confiance en elles. Et moi, elles ont juste besoin de mon avis d'experte, surtout par rapport à la coupe et à certaines lignes. Après, voilà. Le service. De toute façon, elles voient tout devant elles, quoi. Dessiner, d'accord. Donc, ouais. Et puis, le service que, du coup, toi, tu vas apporter de ton œil, effectivement, de passionné. Non, je n'aime pas du tout les robes de mariée. Non, franchement. C'est une Moi, je voulais pas faire ça, je voulais être traiteur. C'est ça. Ils n'ont pas voulu que je parte en boucherie. Mais non, c'est bien parce que tu partages cette passion et tu as cette connaissance. Et je trouve ça génial que tu aies des mariés qui te disent OK, ta carte blanche. Alors, peut-être que ça te rajoute un stress ou non, maintenant tu sais où tu vas. Alors, oui, maintenant je sais où je vais au niveau de la morphologie, mais c'est que parfois il y a tellement de possibilités en fait sur un seul et même style. Que moi-même, parfois, j'ai tendance à leur dire... De toute façon, à la fin du premier essayage, je leur demande rien. Je leur dis, digérez ce qu'ils viennent de se dire. Et je vais digérer aussi. Ouais. Parce que quand on part sur une robe qui est déjà existante, c'est à elles de digérer. Ouais, voilà, les infos, parce qu'on essaye des fois 5-6 robes. Sur chaque robe, je leur dis... alors, celle-là, on pourrait rajouter ça. Celle-là, on pourrait faire ci. Donc, voilà, ça les embrouille un peu. Moi, par contre, quand je pars sur une robe unique comme ça, que je n'ai jamais créée, parfois, dans la soirée, dans la nuit, parce que moi, c'est souvent la nuit qu'il se passe des choses. Je leur dis, j'ai eu un flash, pourquoi pas tenter ça? J'ai une idée pour le devant. C'est le côté, en fait. C'est le dos et le vent. Et le devant, c'est l'épaule, c'est juste là. Le flanc, c'est le devant. Et de là, elle me disait, carrément, et je leur dis, de toute façon, on prend pas de risque, à la toile, on verra tout ça. D'accord, ok. Donc ça peut évoluer, je leur dis bien, c'est pas, allez, je te donne ce croquis, ce devis, tu signes, rendez-vous dans 6 mois. Ouais, ta robe est finie, non, c'est... Voilà. T'as beaucoup d'accompagnement, passes beaucoup de temps. Bah, après, c'est le truc, c'est le sur-mesure, c'est ça. C'est le sur-mesure dans l'accompagnement comme dans la technique pure, en fait. Ouais, c'est ça. Parfois, on s'écrit à 23h le soir, voilà, des fois on s'appelle, moi, des fois, je vois un truc sur Insta ou quoi, je me dis, ça pourrait être canon. Ça t'aime bien, voilà. Donc, mais bon, moi, c'est ce que j'aime faire aussi. D'accord. Je ne vais pas poser de limite par rapport à ça. Par rapport à tes clientes, comment tu définis la mariée de demain? Quelle personnalité elle peut avoir? Déjà aujourd'hui, je vois, qu'est-ce que tu fais le plus dans tes robes? Est-ce qu'on parle encore de champêtre ou pas? Vers quoi tu aimerais aller et vers quoi tu penses tes mariées vont aller? D'accord. Alors oui, la mode du bohème est arrivée du coup en 2014 à peu près. Chaque marié quasiment qui arrive me dit on se marie dans le thème bohème chic, champêtre. Pour moi ça veut plus trop rien dire, mais je pense que pour elle ça veut juste dire qu'elle se réfère à une époque qu'elle ne veut pas, c'est-à-dire les robes voilà, typées meringue avec de la couleur, avec des chignons laqués, avec du bordeaux et du blanc, voilà. Après, celle qui se marie encore là-dedans, c'est leur style. No judgment. No judgment. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas ce qui se voit maintenant, et je pense qu'on arrive dans une ère où on est plus nature, on a moins de... Comment je pourrais dire ça?
Moi, j'ai l'impression, si tu veux, si ça peut t'aider, déjà, on travaille beaucoup plus les fluidités. Oui, par rapport à... oui. Même, enfin, toi, je vois tes robes, elles sont... Tout est très léger, aérien. Et le détail est ailleurs que dans le détail qui se voit. Par exemple, tu vois, quand tu dis, on se souvient tous, les grosses roses, tu vois, aussi, machin sur les... Oui, moi, j'en ai encore parfois qui veulent tout assortir, voilà, et je leur dis non, on est pur, on allège, on respire. Ouais, c'est ça. Et moi, la mariée de demain, je l'inciterai à vraiment faire une introspection, en fait, sur elle-même, ou du moins avec son homme, pour se poser les bonnes questions de ce dont elles ont envie pour ce jour-là, parce que le mariage, c'est quand même très codifié. Et autant en essayage, oui, pendant une heure, on va parler de la robe, mais après, je vais plus les interroger sur leur vie de femme, sur qui elles sont, ouais. Comment est-ce qu'elles vivent et comment est-ce qu'elles voient les choses, parce qu'elles ont tendance à être pas mal incitées du coup par la famille, par les proches, par ce qu'on attend d'elles. Et du coup, elles se retrouvent à me dire « il faut, je dois, il doit y avoir ouais. ». Et moi, je leur dis bien… C'est ta robe. En fait, d'abord, un mariage, c'est juste l'union de deux personnes qui s'aiment. Ensuite, on a mis tout un tas de choses autour, mais on n'est pas obligé d'applaudir un gâteau quand il arrive. On n'est pas obligé d'inviter 250 personnes. On n'est pas obligé de faire ci, on n'est pas obligé de faire ça. Peut-être parce que moi-même, je sais qu'une journée comme ça, je la vivrais mal si j'étais entourée de 250 personnes. Ouais. Parce que, est-ce que tu fois, profiterais on a vraiment, quoi. Tendance à un peu s'extraire de son corps et un peu de subir. Et je leur dis, ça fait un an que c'est préparé. Ça engendre du stress, ça engendre un certain coût aussi financier. Donc voilà, vraiment aller vers quelque chose qui lui ressemble. Et pour sa robe, j'aurais tendance à l'orienter vers une robe dans laquelle elle va se sentir à l'aise, mais qui va quand même lui permettre de choisir des détails qui vont lui permettre d'être un peu la meilleure version d'elle-même, en fait, ce jour-là, parce que c'est quand même le passage de jeune fille à femme, et il faut quand même que la robe en soit le reflet de ça. Ouais. Voilà, c'est quand même un acte important. Et de toute façon, nous, les filles, alors je ne parle pas pour 100% des filles, mais on y a quand même pensé et rêvé depuis toute petite. Et malheureusement, il faut faire un choix parce que c'est qu'une et qu'on a l'habitude dans le prêt-à-porter de dire oh, ben, ça j'aime bien, et puis de mixer. Là, il faut faire un seul et unique choix. Donc vraiment, une fois qu'elles aient choisi la robe, moi, je leur conseille souvent de ne pas aller trop demander d'avis, de pas aller trop voir ce qui se fait non plus dans les robes de mariée, parce que après on se perd. Ouais. Et il faut vraiment qu'elle. Enfin, je m'inclus dedans, mais absolument pas. Tu te perds. Je me perds moi dans le choix de mes robes. Et du coup, d'avoir confiance en elles dans le moment où elles ont eu le coup de cœur, où elles ont été sûres, où leurs accompagnantes aussi, pour qui la vie est parfois très importante, est validée et de rester là-dessus. Ouais. Il y a un adage qui dit la première robe qu'on essaye, c'est pas la bonne. Quand c'est moi qui l'a choisie, en général, c'est la troisième. D'accord. Parce que, comme je te disais, la première, je fais la robe facile. La deuxième, je me dis, tiens, on va quand même tenter une coupe ajustée, ou voilà. Et en fonction de ce qu'elle me dit, moi, de toute façon, dès que je l'ai vu rentrer, je sais en général la troisième. Ouais, c'est celle-là qui va... La trois ou quatrième. Par contre, si elle arrive en me disant, j'ai eu un flash sur cette robe, j'aimerais vraiment l'essayer. Des fois, j'ai même tendance à pas vouloir lui faire essayer en premier. Parce que tu sais. Mais que... en fait. Je pense qu'il faut. Souvent, c'est ça. C'est, il faut passer la robe qu'elles imaginent sur elles. Oui. Il faut la porter. Oui. Se rendre compte que ça va pas du tout. Et du coup, elles partent sur un truc. C'est très rare. Hein. Ouais. Très rare que ça aille pas. Ils se connaissent bien quand même. Ouais. Mais c'est bien parce que ça les challenge aussi à aller chercher autre chose. Et du coup, encore plus rentrer dans le mariage, je trouve. Complètement. Et par contre, j'ai le cas inverse de celles qui me disent. C'est celle-là où je veux ça. En général, elles partent avec ce qu'elles veulent. Okay. Mais par contre, c'est rigolo parce que celles qui me disent « Alors par contre, ça, pas du tout. Ou ça, c'est hors de question. » Elles repartent avec celle-là. Elle essaye finalement. Alors moi, j'aime pas le blanc, j'aime pas la dentelle. Et je veux des manches courtes parce que vraiment, il va faire chaud. Génial. Elle est repartie avec une robe tout en dentelle. Mais vraiment, tout en dentelle. On pouvait pas faire mieux. Blanche. Manches longues. Ouais. Et en fait, magnifique. C'est donc ça. C'est pour ça que je leur dis il faut aimer le style que je propose quand même pour venir, mais après venez de l'esprit ouvert, parce que vous allez vous faire surprendre en fait. Ouais, c'est ça. Et mon best-seller depuis 3 ans, qui est la robe Mila, qui est en 2 parties, à chaque fois que je la présente, c'est ah ben non.
Laisse-toi faire. Ah, bah si, si. C'est ça, voilà. Souvent c'est ça. C'est oui, c'est souvent ça. Parce qu'on... Et elles sont réceptives, et c'est pour ça que parfois j'ai pas de coup de cœur franc, qu'il n'y a pas de larmes comme dans les films, ou qu'elles me disent pas, c'est sûr que c'est celle-là, parce que ça, ça correspond tellement pas à ce qu'elles s'étaient imaginées. Ouais, elles prennent une petite claque en fait. Ouais. Ouais, pour digérer ça, et après en général. Et c'est après qu'elles se rendent compte en se disant. Avec les photos. J'aurais jamais dû dire que c'était pas celle-là que je voulais. Ouais, bah oui, bah après. Ce qui est important pour moi lors du premier essayage, c'est qu'elles essayent des coupes différentes pour qu'elles puissent se rendre compte de ce qui leur correspond, de ce qui leur va le mieux au niveau de leur morphologie. Donc c'est pour ça que dans les collections, j'ai 3-4 coupes qui reviennent régulièrement. Donc il y a la coupe droite, la coupe ajustée, qui est une coupe du coup qui moule en fait le haut des hanches. C'est comme une sirène, mais où on peut bouger les genoux quand même. Et après il y a des robes en deux parties, et c'est ça qui permet vraiment en fait de structurer leur look. Et c'est ça aussi qui est cool dans le sur-mesure, c'est qu'on peut vraiment du coup switcher. Ouais, tu peux mixer après l'une avec l'autre, enfin quand c'est possible. Donc c'est pour ça que je leur demande toujours, même si elles veulent pas, d'essayer toutes les coupes pour qu'après il n'y ait pas de regrets, et que justement après il n'y ait pas de doute qui s'installe quand elles voient des robes en disant « Ah mais finalement ça m'aurait pu galérer ça » ou « un donu » ou tout ça. Ouais, et puis toi, ça te permet aussi de peut-être flasher, comme tu disais tout à l'heure, de mentaliser en disant « Attends, j'ai un truc », et puis après tu peux sortir le papier et griffonner un truc. Mm. Du coup, on va parler un petit peu tendance. Qu'est-ce que pour toi, quelles sont les dernières tendances, les tendances actuelles et les prochaines tendances sur la robe de mariée? Alors comme je te le disais, la tendance bohème du coup est assez présente depuis 2014, qui à mon sens ne veut grand chose. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. On est toujours par contre dans de la fluidité, dans de l'épuré. Du moins moi c'est ce vers quoi je pousse en fait mes mariés à aller. Un côté beaucoup plus féminin qui mettra vraiment leur silhouette en valeur. Un côté s'affranchir un peu de certains codes, qu'une robe de mariée sans dentelle peut être une très belle robe et qu'on peut faire mariée, parce que j'entends souvent ça. Ça fait pas mariée, ou je veux faire mariée, est-ce qu'on va voir que c'est moi la mariée? Oui, normalement, oui. Et après, pour parler purement tendance, beaucoup de drapés arrivent. Ouais. Les bustiers aussi reviennent en force. Mmh. De toute façon, la mode, c'est un éternel... au commencement. Sauf que là, c'est plus des bustiers lingerie, ce qui est hyper glamour. Et après, des cols montants, côté un peu rétro. Okay. Dans tous les cas, ces nouvelles tendances ont toujours pour but d'affirmer et d'affiner la silhouette. Et ça rendra dans tous les cas la mariée, à mon sens, de plus en plus glamour. D'accord. Parce qu'on était vraiment parti sur un style meringue. Ensuite, on est parti sur du bohème, mais c'était quand même beaucoup de fluidité, de mouvement, de côté un peu loose aussi, des grosses dentelles. Là, on vient sur quelque chose sur plus de transparence, beaucoup plus épuré, et voilà. Du coup, pour toi, la robe idéale, c'est quoi? S'il devait y en avoir une, comment tu l'imagines? Une seule. Selon ton avis, Tu prends pas trop de risques, parce que du coup, c'est un truc qui t'appartient pas. Bon, alors du coup, je vais vous décrire ma robe de mariée. alors pour moi, ça serait déjà un haut très ajusté, qui met la poitrine en valeur. Alors, qui dit poitrine en valeur dit pas forcément décolleté, juste une manière de tourner du coup le tissu autour de la poitrine pour qu'elle soit vraiment mise en valeur, que ça nous permette d'avoir un beau port de tête. Des manches longues, pas forcément de dentelle, mais peut-être un beau travail avec du tissu uni, que ce soit un drapé, un plissé, une longue traîne. D'accord. Ah ouais, longue... Longue traîne. Ouais, moi je suis très longue traîne, j'avoue. Combien en mètres? Avec une traîne, qu'on ait une traîne de 20 cm ou de 8 mètres, de toute façon on peut pas faire de marche arrière, on est pas empoté. Donc, tant qu'à faire, envoyer le paquet. Et un dos qui met vraiment la cambrure du coup en valeur. Ouais. Et un long voile. Pas avec le rabat. Pas la moustique. Ouais, vraiment le long voile. Le beau voile, long voile. Tailleur ou pas tailleur pour un mariage? Complètement tailleur. Ah ouais. Ouais, peut-être plus pour le civil, mais celle qui veut se marier en tailleur, bravo à elle, quoi. Il y a des trucs canons qui sortent là. C'est juste qu'à mon sens, il faut vraiment que ça soit... que ça matche avec qui elle est, avec sa personnalité. Ouais. Voilà. Moi, parfois, j'ai des femmes qui arrivent en me disant « Bah, j'ai plus de 40 ans, donc je vais peut-être pas mettre une robe, je vais mettre un tailleur. » Bah non. Pourquoi? Bah, je suis petite, donc je vais mettre une robe courte.
Donc moi, je les interroge souvent, d'ailleurs, par rapport à leurs envies, le pourquoi. Ouais. Et de là, après, je leur démontre que non. Ouais, c'est... On peut partir sur l'idée de petite fille qu'on a dans la tête, elle peut être transcrite jusqu'à 80 ans. D'accord. Vraiment. Ouais, c'est... Mais oui, tailleur. Tailleur, c'est cool. Ouais, c'est bien, ça met un peu de... Et tu penses que ça va... Parce qu'on en voit un peu, ça reste encore combis, timide. Sinon. Ouais. Ça peut être la robe champêtre de demain. Non. Non. Bah non. Non, une femme aura toujours, je pense, envie de porter une grande longue robe blanche. Ouais. Oui. J'ai une question, Lucie, sur parce qu'on a des futurs mariés qui nous regardent, en tout cas j'espère. Qu'est-ce que tu leur donnerais, qu'elles viennent chez toi ou pas, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, j'ai envie de dire important pour qu'elles puissent choisir une robe de mariée. Qui leur correspondent le plus. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces futurs mariés ? Si elles n'ont pas de style précis en tête, je leur dirais d'aller essayer les 3-4 styles qui se font le plus en ce moment. Donc la bohème pure et dure, la très glamour, la fluide épurée et la princesse. Mmh. Déjà, ça, même si c'est dans plusieurs boutiques, parce qu'en général, c'est dans plusieurs boutiques, pour déjà voilà, se recentrer sur ce qu'elles ont envie. Et une fois qu'elles ont trouvé le style, affiner, voilà, sur trouver l'experte du domaine entre guillemets. Oui, voilà. Et ensuite, je leur conseille souvent de remarquer la manière dont elles sont reçues, en fait, par téléphone, par mail ou en essayage, parce que c'est du coup un parcours qui va durer sur un an. On va être reçu 4 à 5 fois, et je trouve que c'est important en fait la manière dont elles sont considérées. Moi, j'en ai pas mal de mariés qui reviennent et qui sont parfois un peu choqués de la manière dont on Ouais, il ne faut pas oublier le service, quoi. Il ne faut pas oublier le service, ça fait partie... Et moi, c'est vrai que dès que j'ai une mariée qui m'appelle, même si elle me dit « j'ai une robe princesse et qui n'est pas du tout dans mon budget », je prends toujours le temps de la conseiller et de l'envoyer du coup vers un prestataire qui sera plus dans ses critères. Donc, je pense que ça, c'est super important. Du moins, moi, c'est mon point d'honneur, en fait. Voilà, dans mon métier, c'est vraiment l'accompagnement et le soin et l'attention que je leur procure. Et après, qu'elles se renseignent aussi sur d'où viennent les robes, les matières utilisées. Toi, par exemple, on n'en a pas parlé, mais toi, est-ce que tu as un engagement justement sur tes robes ? Alors moi, toutes les matières viennent de France ou d'Italie. D'accord, ok. Donc pas très loin. Vraiment pas très loin. J'ai quasiment arrêté la soie aussi, parce que la soie, déjà, c'est un peu barbare, la manière dont c'est fait. Mmh. Ça vient de très loin. Mmh. C'est transformé à plusieurs endroits, donc ça parcourt un peu... la planète et en plus ça a énormément augmenté à la suite de la crise, donc t'as proscrit la soie et... Alors j'en ai encore parce qu'il y a certaines femmes qui veulent une robe de mariée tout en soie, mais là je pense que je finis mon rouleau de 50 mètres, donc ça va, il y a encore de la faire et après j'arrêterai. Mais voilà, sinon toutes les matières sont sourcées en France ou en Italie. D'accord, ok. Et non, après les dentelles dentelle ou tulle brodée, maintenant on joue beaucoup sur du tulle brodé, viennent de Calais, de Caudry. D'accord, donc c'est local entre guillemets, enfin c'est français, tu vas pas chercher les trucs trop loin. Qui dit robe à bas coût dit forcément matière cheap, mauvaise. Et conditions de fabrication vraiment pas terribles. Ouais. Ouais, donc toi, c'est un engagement. Est-ce que c'est quelque chose que tu parles à tes mariés ou c'est... Toujours, tu leur dis, oui, moi, je mon leur fais tissu. Juste prendre conscience. Celles que j'ai au téléphone et qui me disent, j'ai ce prix-là et tout, je leur dis, moi, je les oriente plus limite vers Vinted, tout ça. La robe de seconde main qui a été faite dans les règles de l'art, dans des belles matières, dans des bonnes conditions, mais qui est revendue 100% moins cher. Ouais. Peut-être qu'elle a déjà été portée, mais voilà. Et sinon, oui, je les sensibilise sur le fait que la robe va traverser la planète, qu'elle a peut-être été faite dans des conditions assez déplorables et dans des matières qui parfois même sont dangereuses. Quoi. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion, à mes tout débuts, de retoucher des robes à bas coût. Plus jamais, quoi. Tout est fait à l'envers. Et puis moi, j'ai surtout la passion de la belle... De la... Du texture... Ouais, voilà, la matière... De la matière et voilà, de la technique. Mm-hmm. Donc ça me fait mal au cœur quand je vois ça. Mais bon, après... Oui, après, on ne peut pas tout faire, exactement. Du coup, le fil rouge de l'émission, c'est de raconter une petite anecdote. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager ? Une ou deux, hein, même, tu as le droit d'en faire plusieurs si tu en as. Alors, il y en a plusieurs, mais la plus mémorable, c'était ma première année du coup, en tant que créatrice. J'étais en train de faire l'essayage du coup, de la toile d'une robe de mariée d'une cliente. Et on avait
lier une belle complicité. Ouais. Et on se racontait pendant ce moment-là nos petites histoires de femmes, de jeunes femmes, amoureuses, tout ça. Et elle me partage du coup un souvenir et je lui dis « Mais toi, du coup, t'es en couple ?» Non, non. Voilà. Et là, elle se retourne, elle me regarde, elle me dit « Non, non. Si Cindy, si tu me regardes. Génial, bien joué. Je t'embrasse. Bien joué. Je suis resté imitatif, je me suis fait. Bah, ouais. Bah oui. Bah pourquoi? Bah je crois que oui, en fait. Enfin, non, je me fais la robe, j'ai pas encore trouvé le marié. Est-ce que tu le fournis avec ou... Je fais déjà le mariage, enfin, je fais déjà la robe, c'est fait. Et puis ça va attirer les choses. C'est ça, ouais. Donc voilà. Super. Merci beaucoup Lucie, c'était top. On va mettre toutes les infos de Lucie en description pour pouvoir la contacter. Comment on te... D'ailleurs je dis ça, mais comment on te contacte? Qu'est-ce qu'on privilégie pour te contacter? Alors mon site internet, okay. Il y a un formulaire de contact, ouais. Lolette.net, okay. C'est facile, ça rime. Ça rime, bien joué. Et ensuite via Facebook, Instagram, Lolette-robe de mariée. Ouais. Ou directement... Insta. Voilà, Insta, Facebook ou mon téléphone, okay. Qui est du coup marqué sur mon site internet. Ok, et bon, on mettra toutes les infos en commentaire. D'ici là, on vous retrouve bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et puis de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. Allez, ciao! Encore un grand merci à Lucie pour sa participation. On se retrouve très bientôt avec un nouveau prestataire sur les Wedding Talks. D'ici là, n'oubliez pas un petit like si ce n'est pas encore fait. Et puis abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide grandement. Allez, ciao!